Le prochain long métrage de Calor Breakfast dans Smith, il envoie Morgan Freeman et Danny DeVito enquêter sur deux meurtres survenus dans une commune utopie de retraite. À la tête de la résidence, rien de moins Al Pacino et Helen Mirren. Non seulement le genre intéresse le réalisateur Oscarise, mais installer elle intrigue dans une résidence pour seniors en fait un film ancré dans le présent. Ces immeubles haut de gamme pour retraite proliférant partout aux États-Unis, alors que la génération du baby boom arrive à l'âge de la retraite. Il y a beaucoup d'argent et les gens veulent vivre dans un bel environnement. Ça, c'est ce qu'on voit sur la brochure. Mais ce que Tom Gray, le scénariste, en a fait de voile ce qu'il y a sous le vernis, explique alors Rexford à Deadline. Les ingrédients sont en tout cas réunis pour en faire un film attendu, les quatre acteurs principaux et le réalisateur sont Oscarise, ou est nommé par Elle Academy. Par ailleurs, Elle Intrigue respecte les codes du film noir. Ce qui démarre comme une enquête sur des morts suspicieuses laisse place à un plus vaste complot, mêlant sexe et drogue en plus des meurtres. J. et demande, à Tom Gray, est-ce qu'il avait quelqu'un en tête lorsqu'il a écrit le script. Il aime a répondu Morgan Freeman dans le rôle du détective et Al Pacino dans celui du méchant principal, Helen Mirren en femme fatale. Une actrice que je connais plutôt bien, à propos de elle, ancien partenaire du policier, il voyait Danny DeVito, époux de la comédienne. Ce sont des personnes que je connais bien. J. et travaille avec Al, Helen, il cherchait quelque chose à faire avec Helen, il me l'avait dit. Donc J. est répondu, à Tom Gray, je vais essayer de faire de ton rêve une réalité, ajoute le réalisateur.